passe à l'outdoor du coup de gueule. On aurait pu appeler le l'outdoor du meilleur français, quoi. Et pour remettre son prix, veuillez accueillir Daphné Murki. On a une passion en commun, les tatouages. Ah oui? Mais oui, vous en avez plein des tatouages, vous en avez 12 au moins. Mais Léo, le bon. Moi j'en ai, ouais. T'en as combien? Hein? Combien t'en as, je demande? Un, j'ai dit un. Allez, un. Ok. Bon, Daphné, c'est à vous, un petit discours. Oui, merci, merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais hyper touchée quand ils m'ont appelé pour m'inviter. L'association LGBT, les outdoors, je me suis dit c'est génial, mais j'ai pas compris pourquoi on m'avait appelé au début. Sincèrement, je me suis posé la question parce qu'en fait, je devrais pas du tout être là ce soir. C'est terrible à dire, mais j'aimerais presque ne pas être là, en fait, ce soir. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit il y a plusieurs raisons. Peut-être le fait que je suis une journaliste en France qui a la chance de pouvoir m'exprimer régulièrement et je me dois évidemment de pousser moi-même des coups de gueule très régulièrement, trop régulièrement, pour défendre la cause LGBT et dénoncer toute la haine qui est déversée sur toute forme de discrimination. Et après, j'ai enquêté, je me suis dit que c'était peut-être la deuxième raison. Je sais hyper bien faire les mojitos pour la soirée. Mais après, j'ai enquêté encore et je me suis rendu compte que Christophe Beaugrand était hyper bon pour les caipirinha, c'est pas bon, et que Claire Chazal est déjà en train de servir le champagne. Donc ça ne doit pas être pour ça qu'on m'avait invité. Il n'empêche, je ne suis pas hyper heureuse d'être là. C'est pas possible qu'en 2017, on soit encore obligé de s'éclater la voix et de lever le poing pour combattre toute cette haine. Il n'empêche que, voilà, on est là. Et on continuera à le faire, évidemment, chaque jour, quand bien même, même sur mon propre groupe, on pourrait imaginer que ça n'est pas possible, et en fait, on a continué à le faire haut et fort. Je parle évidemment du groupe Canal+. Les nommés, qui sont super classe, ils ont eu le courage de faire face, de tenter d'interdire la haine, de la ridiculiser. Donc eux, en revanche, on peut être fiers qu'ils soient là ce soir. Et donc, les nommés sont Vicky Bianco face à Henri Guénaud dans Salut les Terriens. Marine Bécarine face à Ludovine de La Rochère sur BFM TV. Nicolas Martin sur Orlando, sur France Culture. Non, on n'est pas couché. Leïla Slimani sur la pénalisation de l'homosexualité au Maroc dans C'est à vous. Sophie Aram sur les anti-mariages pour tous sur France Inter. Drôle. Et le prix du coup de gueule revient à Leïla Slimani. Vous n'êtes pas Leïla Slimani. Bonsoir. Faut pas juger. Bonsoir. Faut pas juger. Vous avez changé. Bon, je ne suis pas Leïla Slimani. Je suis Abdellah Taïa. Donc, je partage avec Leïla le même pays, le Maroc. Et Leïla Slimani m'a chargé de lire pour vous ce petit texte. Alors je vais essayer de le faire et je promets, je ne volerai pas son ordre. Alors elle dit, à mon grand regret, je ne peux pas être avec vous ce soir. Je suis à Saint-Malo pour une signature de mon livre Chansons douces, mais je ne pouvais rêver de meilleur ambassadeur pour me représenter comme mon très cher ami Abdellah Taïa. Là, elle est pleine de choses trop gentilles, donc je vais censurer. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Cela me remplit de joie et cela m'oblige. Dans mon pays, le Maroc, des hommes et des femmes dorment derrière des barreaux parce qu'ils sont homosexuels. Ces dernières années, la société s'est substituée à la cruauté de l'État et la foule, aveugle et violente, s'en est pris à plusieurs reprises à des couples homosexuels, les lynchant, les frappant et les jetant en pâture sur les réseaux sociaux. Cette situation m'est insupportable et depuis des années, j'ai à cœur de sensibiliser l'opinion, de prêter ma voix à ceux que le silence et la honte écrasent.
Mon combat féministe est indissociable de ce combat-là, celui pour la liberté des âmes et des corps. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être entendue. Et souvent, de jeunes garçons et de jeunes filles viennent me remercier discrètement de mener cette bataille. Leur jeunesse, leur fougue, leur appétit de vivre me donnent de la force. Et c'est à cette jeunesse que je veux dédier mon prix. Merci à toutes et à tous.